Ça, c'est Minecraft, les amis, et aujourd'hui, j'ai ajouté du granit qui drop du stuff ultime. Vous allez voir, ça va être juste incroyable. Et bah écoutez, j'espère que la vidéo va vous plaire. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Je vous rappelle, objectif 100 000 abonnés avant le début de l'été, donc ça veut dire début juin. Donc je compte sur vous pour qu'il y ait une pluie d'abonnements. Allez, let's go, c'est parti. N'oubliez pas d'activer la cloche. N'oubliez pas de rester jusqu'au bout de la vidéo parce que c'est la meilleure façon de soutenir ma chaîne. Et n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu et meilleur commentaire. Ok, ok, les amis, allez, let's go, c'est parti. Aujourd'hui, j'ai ajouté un mode qui me permet de tout simplement avoir des items ultra cheatés, tout simplement en farmant du granit. Qu'est-ce que c'est le granit? Bah moi, je sais même pas ce que c'est le granit, parce que ça sert à rien dans Minecraft. Mais c'est pas grave, on va quand même aller le farm, et on va voir qu'est-ce que ça donne comme item. Ok, c'est parfait, donc là les amis, on vient de faire une table de craft et la chose qu'on va faire en premier, c'est une belle petite pioche. Voilà, c'est parfait, et bah écoutez, on va récupérer la table de craft. On va bien évidemment récupérer un petit peu de pierre pour pouvoir se faire une belle petite pioche en pierre cette fois-ci. Et puis bah écoutez, là je pense qu'on est pas mal avec cette pioche en pierre. Et puis bah écoutez, maintenant il reste plus qu'à aller chercher le granit. Vous êtes pas prêts des items que ça va drop, même moi je pense que je ne suis pas prêt parce que je sais pas trop ce que ça va drop. Ah! Ouh, oh bah voilà, voilà, regardez-moi ça, il y a du granit juste ici, c'est ça à quoi ça ressemble. Le granit, là, c'est tout simplement le bloc le plus inutile de Minecraft. Voilà, où on peut vraiment rien faire avec comme craft. Ou, si je ne m'abuse, il y a vraiment rien à faire comme craft. Et en plus de ça, il y en a un paquet. Et bah écoutez, allez, let's go, c'est parti. What? Oh, regardez-moi ça, ça drop les items comme ça. Oh, c'est génial. Oh, c'est génial. Oh là 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 là. Oh, c'est une dinguerie. Oh, c'est une dinguerie, les amis, ce qui est en train de se passer. Oh là là, tous les items que j'ai. Oh, c'est incroyable. Attendez, on va juste en farm quelques-uns. Et maintenant, on va regarder qu'est-ce qu'on a eu comme item. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une hache. Wouah. Regardez-moi ça, on a eu une pioche. Sharpness level 20, efficiency 20, unbreaking 20 et fortune 20. Oh, c'est incroyable les enchants qu'il y a là-dessus. Oh, et quand je vous ai dit que vous étiez pas prêts, vous n'êtes pas prêts parce que là, c'est que le début des items qu'on peut avoir. On a eu un totem, on a eu du diamant, de la netherite. C'est juste incroyable. On a une. On a eu un crossbow, il est juste incroyable aussi. Eh bah écoutez les amis, là cette fois-ci, on y retourne. On va tout simplement casser un maximum de granit. Voilà, parfait, comme ceci. Oh, oh, tous les items qu'il y a par terre. Oh oui, 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 oui. Oh là, alors là, ça, oui, je prends. Ça aussi, je prends. Oh là là, mais c'est des items de fou. Alors, il me faut un petit plastron, s'il vous plaît, monsieur. On va jeter des crossbows parce qu'on en a genre 1000 fois trop. Ok, c'est bon, on vient d'avoir le plastron, donc ça c'est vraiment très cool. Il nous manque le casque, est-ce qu'il y a un casque par ici? Alors, on a déjà des underperles, donc ça c'est très cool. Et on n'a pas eu d'épée. Ah si, il y en a une juste ici. Alors attendez, on va aller la récupérer. Et voilà, c'est parfait, on vient de récupérer l'épée, regardez-moi ça. Ouah, on a looting 20 les amis. Oh, oh là 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 là, on a looting 20 les amis. Oh, ça va être une dinguerie pour aller chercher les underperles. Pour faire des yeux d'ent, c'est juste incroyable parce que oui, bien évidemment les amis, je ne vais pas tout simplement prendre les yeux d'ent qui est juste ici, ça serait trop facile, on va aller les récupérer nous-mêmes. Alors, on a eu une belle petite pelle, ça c'est génial. Alors voilà, on va quand même prendre des underperles pour pouvoir se lancer à l'autre bout de la map, ça c'est quand même plutôt utile. Et puis bah écoutez, on n'a pas eu de casque, je suis dégoûté. Bah écoutez, hein, ah c'est bon, on a le casque. Et bah écoutez, on est full stuff les amis. Et bah voilà, regardez-moi ça les amis, en l'espace de 3 minutes de jeu, je suis full stuff, c'est juste incroyable. Et bah écoutez, maintenant les amis, on va mettre au défi cette armure et ce mode là tout simplement. Et ben, on va aller tuer l'Under Dragon pour voir en combien de temps on le tue avec une épée level 20. Vous allez voir, vous êtes pas prêts. Et puis bah écoutez, entre temps, et bah écoutez, mettez une note sur ce mode sur 10. Voilà, si ça vous a fait kiffer que je casse tout simplement du granit pour avoir des items vraiment cheatés. Et bah écoutez, moi je valide clairement, je valide. Et c'est quoi cette grotte là? Oh, mais la dinguerie de la grotte! Vous avez vu la taille? Non mais c'est incroyable, vous avez déjà vu une grotte comme ça? Alors déjà, on a de la lave, donc ça c'est très cool. Et on a de l'eau. Alors par contre, là, je ne sais pas comment descendre, ça va être très galère. Bah écoutez, je pense qu'on va descendre comme ceci, petit à petit. Et puis surtout, on va prendre une pomme. Waouh, mais la taille de la grotte. Alors si je fais ça, qu'est-ce que ça fait? Viens au niveau! Oh, c'est trop bien! Est-ce que vous avez déjà fait ça dans Minecraft de descendre par... tout simplement, bah par de la lave, hein, quoi, clairement. Et ben, je viens de réaliser mon rêve, voilà, dans Minecraft, de descendre par
Bah, une cascade de lave. Et bah, ça, c'est génial. Et bah, écoutez, maintenant, les amis, il reste plus qu'à récupérer un petit peu de fer. Voilà, comme ceci, par exemple. Et bah, voilà, on en a déjà 39, c'est génial. Hop, toi, je te one-shot. Toi, je te one-shot, je te one-shot. Ouais, mais je les one-shot tous, c'est incroyable. Franchement, les amis, pour ma part, je mettrai un bon petit 8 sur 10 parce que franchement, c'est juste génial. Et comme d'habitude, j'enlève quelques points parce que tout simplement, ça nous donne les yeux nets et ça, c'est vraiment pas du jeu. Alors, c'est bien beau d'avoir des items, mais ça nous a pas donné tout simplement de fer. Donc, bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un beau petit four. On va le poser. On va récupérer bien évidemment du beau petit charbon. Voilà, comme ceci. On en a, bon, plus qu'assez, les amis. Et allez, c'est parti. Maintenant, on attend que le fer chauffe. Oui, c'est le seul moment où je vais devoir attendre dans la vidéo, clairement. Hop là, toi, ça dégage. Au revoir. Et allez, viens par ici. Je vais tuer du squelette en attendant que ça chauffe. Et boum. Et boum, mon pote. Oh là là, l'efficacité de cette armure est juste incroyable, les amis. Et allez, en attendant que le fer chauffe, on va se faire un petit kiff. Regardez-moi ça. On va casser un maximum de granit. Oh là là, j'ai envie de voir plein d'items partout. C'est ce qui va se passer, regardez-moi ça, c'est juste incroyable. Oh, alors par contre, on n'a pas eu de pump sheet. Donc bah écoutez, on va essayer d'en chercher. Ah, et bah voilà des pump sheets, c'est parfait, on va les avoir. Alors, ah non, me fais pas descendre. Et ça y est, c'est bon, j'ai mes pump sheets, ça c'est vraiment génial. Et bah écoutez les amis, on retourne à notre four pour aller voir si le fer est chauffé. Voilà, et après on ira récupérer cette source d'eau qui est juste en dessous de nous. Et bah écoutez, c'est parfait, on en a 8. Et bah écoutez, on va en profiter pour faire un premier saut, un deuxième saut. Je sais même pas pourquoi je fais deux sauts, ça sert à rien. Et allez, let's go, c'est parti, on monte, on récupère la source. Hop, comme ceci, on redescend. Et bien évidemment, on va aller au niveau du lac de lave pour aller récupérer de l'obsidienne. Alors, bien évidemment, avant de m'enfoncer trop loin, je vais prendre du silex. Oh là 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 là. Non. Oh là 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 là, l'armure, comment elle m'a protégé de fou. Oh là là, j'ai fait une chute sans faire exprès et je ne suis même pas mort. Regardez-moi ça, oh, regardez-moi ça, normalement je meurs fois 10 000. Eh ben écoutez, j'ai mis à l'épreuve des balles et des sauts tout simplement cette armure. Elle est juste incroyable. Eh ben écoutez, il est où le lac de lave? C'est bien beau tout ça, mais je le cherche là. Oh là là, il y a du diamant juste à côté de nous en plus de ça, les amis. On va juste aller le récupérer pour le fun. Eh, bonsaï, boum! Boum, mon pote! Ok, un premier diamant. Ok, donc là, ça nous en ferait combien? 8. Ok, d'accord. Juste pour voir combien je peux en récupérer au total. Oh là là, mais il y en a trop pas! Ah! Eh ben voilà, c'est bon, c'est parfait. En 4 diamants, 5 diamants, excusez-moi. J'ai réussi à avoir 48 de diamants, c'est juste incroyable, hein. C'est... Oh bah regarde-moi ça, il y a encore du diamant ici, cette grotte regorge de diamants, c'est juste incroyable, hein. Et ça y est, c'est bon, on y est les amis, au niveau du lac de lave, donc ça c'est vraiment très cool. Et bah écoutez, il reste plus qu'une chose à faire, c'est de tout simplement tout inonder, voilà, une grosse partie. Alors on va prendre nos précautions, on n'a pas envie de tomber dans la lave, même si là on a mangé une bomb sheet, et que bah c'est bon normalement, hein, théoriquement, on devrait pas mourir. Mais bon, dans le doute, je préfère être un peu plus large que pas assez large. Oh là 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 là, la vitesse à laquelle ça casse. Ah! Oh, c'est incroyable, regarde-moi ça, la vitesse à laquelle je casse l'obsidienne. Oh, c'est magique. Franchement, c'est magique ce qui est en train de se passer, les amis. C'est juste, bah, trop simple le jeu, là, clairement. Il est trop simple. Je m'attendais largement plus à, bah, du challenge un petit peu. Je me suis dit, ah ouais, il y a moyen, est-ce que ça me donne pas tous les items dans le granit et tout. Et bah si, ça me donne tous les items, c'est juste incroyable. Et bah écoutez, vu que, bah, maintenant, on est considéré comme des dieux avec cette armure et ses outils, et ben on va faire le portail sur la passerelle, voilà. On va le faire juste ici, et ben écoutez, on prend notre obsidienne dans la main. Et voilà, c'est parfait, on a fait un beau petit portail. Là on prend le silex, on fait un beau petit briquet, voilà, parfait. Et puis ben écoutez, let's go, c'est parti, allumage du portail, boum. Et allez, let's go, c'est parti, on passe le portail, on va aller chercher une forteresse, on va aller chercher une forêt bleue, et on va tuer des Undermans et des Blaze. Alors, j'ai atterri dans Miss que j'aime pas, Miss que j'aime. Alors, est-ce que j'ai Soul Speed? Oh oui, j'ai Soul Speed, c'est trop bien, regarde-moi ça. Wouah. Je courais à combien, juste pour savoir? Non mais c'est n'importe quoi. Ah, non, 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 je suis tombé dans la lave. Non mais je suis littéralement invincible, hein. Vu que j'ai résistance je sais pas combien là, c'est juste n'importe quoi, regardez-moi ça, je suis en flamme. Mais je m'en fiche, c'est pas grave, je suis invincible. Et bah écoutez les amis, on va aller à la recherche d'une forteresse, on va se pavaner dans le Nether et on se retrouve quand j'en ai une. Oh mon dieu, ça y est les amis, après une éternité de marche, je viens de trouver une forteresse, regardez-moi ça, elle est juste gigantesque et magnifique. Et bah écoutez, on va s'engouffrer dedans et on va aller chercher le spawner à Blaze et on va essayer de les détruire. Eh bah écoutez, c'est parfait, on vient de trouver un beau petit coffre avec un petit briquet, c'est sympathique, mais on en a pas besoin, clairement.
Et ça y est, c'est bon, j'ai trouvé le bot spawner, faut juste que j'y arrive. Eh ben écoutez, il y a déjà un blaze juste ici, je crois que juste un c'est su... Ah, waouh, waouh, c'est juste suffisant, regarde-moi ça, bam. What? Il est pas mort? Ok, il est mort. Ok, alors, on en a combien? Oh bah 10. On en a pile poil assez les amis. Eh ben écoutez, maintenant il reste plus qu'à aller chercher la forêt bleue pour aller tuer des Undermans. Oh non mais c'est abusé, regarde-moi ça, j'en ai eu 10 d'un coup. Bon après vous m'étonnerez, j'ai looting 20, level 20, donc c'est juste une aberration, clairement. Donc là j'ai juste à tuer aussi un Underman et je crois que j'ai la totalité. Et bah écoutez les amis, ça va être le plus dur de trouver une forêt bleue, c'est ce qu'on va faire de ce pas. Et bah écoutez, let's go, c'est parti, on se pavane dans le Nether pour aller trouver cette forêt. Bon bah écoutez les amis, là j'en ai marre de marcher, j'en peux plus, je ne trouve pas de forêt bleue. Et oh, oh mon dieu, si c'est bon, oh mon dieu, yes, c'est bon, on vient de trouver une forêt bleue les amis. Oh c'est juste incroyable ce qui est en train de se passer, on s'en fiche, on saute, on prend zéro dégâts vu qu'on a mangé une pomme. Oh ça y est, c'est bon, je viens de trouver une forêt, vous imaginez pas le temps que j'ai marché, et c'est bon, je viens de la trouver. Oh c'est juste incroyable. Et ben maintenant il reste plus qu'à trouver un Underman, et ça c'est pas chose facile parce que des fois il y en a pas dans certaines forêts bleues, donc ça c'est super chiant. Petit, et ça y est, c'est bon, on vient de trouver un Underman. Petit, viens par ici, je vais te détruire. Boum boum boum. Ah ben ça y est, il est mort. Il m'a donné quel... Oh, il m'en a donné 5. Ok, il m'en a donné 5, ça c'est génial. Et bah écoutez, c'est parfait, on est à la recherche d'un autre Underman, let's go, c'est parti. Ok, ça y est, j'ai trouvé son poteau, il est juste là. Et bah écoutez, on va lui régler son compte, bam. Bam, non, non. Voilà ce que j'aime pas quand j'ai tout simplement Knobak 10 milliards. C'est que... Oh oui, oui, viens par ici. Non, il est mort par lui-même. Donc ça veut dire que je n'aurai pas la multiplication de looting avec mon épée. Oh, c'est trop chiant. C'est trop chiant les amis. Eh ben écoutez, let's go, c'est reparti. On va rechercher... Oh bah voilà, j'allais dire, on va chercher un autre Underman. Eh ben c'est bon, c'est chose faite. On vient de le trouver, il est juste en haut de l'arbre. Donc ça, ça va être un petit peu galère parce que là, il va se pavaner un peu dans tous les sens. Et moi, ce que j'aimerais faire, c'est tout simplement ça. Alors là, je ne peux pas, bien évidemment. Non! Non, il est sorti! Mais non! Oh non, j'ai envie de mourir. Parce que là, si je l'envoie, eh ben tout simplement, il va aller à l'autre bout de la map. Bon, on va faire comme ça. Voilà. Comme ça, tu restes dans cette zone-là. Et bah ça y est, c'est bon les amis, on en a 16. Regardez-moi ça, on en a même un petit peu plus par terre. Et bah écoutez, on va regarder de ce pack, qu'est-ce qu'on va avoir en plus. On en a eu 4 en plus, et bah c'est génial. Et bah écoutez les amis, ce que je vous propose tout simplement, c'est de retourner dans l'Overworld pour aller trouver le Stronghold, parce que là, on a tous les éléments nécessaires pour faire des yeux d'ent. Donc allez, let's go, c'est parti. Et ça y est, c'est bon les amis, on est de retour dans l'Overworld. C'est bon, on est dans la grotte, on a repassé le portail. J'ai pris juste une éternité pour retrouver le portail, mais c'est bon, heureusement, j'avais écrit les corps. Et puis bah écoutez, maintenant il reste plus qu'une seule chose, c'est de remonter à la surface. Et ça y est, c'est bon, on vient de retourner à la surface, c'est parfait. Et bah écoutez, maintenant il reste plus qu'à faire les yeux d'ent pour aller chercher ce fameux Stronghold. Et bah écoutez, let's go, c'est parti. Alors on va prendre nos bâtonnets de blaze, on va les mettre, on va faire ça, et boum, c'est bon, on a les yeux d'ent. Et bah écoutez, on va les prendre dans notre main et on va aller chercher tout ça. Alors on va lancer le premier, et allez, let's go, c'est parti. Dans quel sens? Dans ce sens-là. Et bah écoutez, let's go, hein, c'est parti, on va suivre la voie de l'œil. Et allez, let's go, c'est parti, on se pavane dans les plaines de Minecraft pour aller trouver le Stronghold. Houston, je crois qu'on a un problème, on arrive bientôt à la bordure, bah tout simplement de l'île. Et ça, ça m'énerve un petit peu parce qu'on va devoir flotter dans l'eau. Ouais, parce que c'est toujours dans ce sens-là. Oh non, me dis pas que c'est dans l'eau, s'il te plaît, le jeu. Eh ben écoutez, let's go, c'est parti, on va essayer de traverser la mer. Je sais pas pourquoi, je le sens très très mal. Oh, j'ai un Core Affinity? Non. Oh, c'est trop bien. Du coup, je vais trop vite. Oh, c'est trop trop bien, les amis. Je peux flotter, regardez-moi ça, je ne perds pas d'apnée du tout. Je ne perds aucune bulle d'oxygène, c'est juste incroyable. Eh ben écoutez, let's go, c'est parti, on va en lancer un, on va voir par où ça nous mène. Eh ben écoutez, ça continue. On le voit, j'ai même pas besoin de lancer un oil tent, c'est juste incroyable. On voit déjà, waouh, oh la dinguerie que c'est, la dinguerie que c'est les amis. Eh ben ça y est, c'est bon, on est dans le Stronghold, c'est juste incroyable. Regardez-moi ça, oh. Eh ben maintenant il reste plus qu'à trouver le portail les amis. Quand il y a des escaliers comme ça, ça veut dire que c'est souvent en bas. Eh bah oui, voilà, c'est bon, ma théorie fonctionne, c'est juste incroyable. Eh bah écoutez, c'est parfait, regardez-moi ça, on vient de le trouver en 2 secondes, le portail. Oh là là là, on est vraiment des master chefs du game, c'est juste incroyable. Eh bah écoutez, on va juste faire un tout petit tri au niveau de notre inventaire, parce que là on a juste beaucoup trop de choses. Et puis bah écoutez, c'est parfait, c'est bon, j'ai fait mon petit tri, on va poser les yeux d'ent, voilà, comme ceci. Et puis bah il reste plus qu'une chose à dire, Banzai!
Ok, c'est bon, c'est parfait, on est dans l'End cette fois-ci, et maintenant, on va se comparer à l'Under Dragon pour voir un petit peu les dégâts de mon épée et de l'armure, et bien évidemment, j'ai cassé tous les... Oh non, j'ai enlevé les flèches, oh non. Oh non, je suis le pire idiot du monde. Bah là, je fais comment pour le tuer du coup maintenant? C'est un peu compliqué là, parce que là, j'aurais beau le taper, je vais pas aller bien loin, hein. Non, je n'aurais pas possibilité de faire des flèches. Oh non, j'ai tout ruiné les amis, j'ai tellement tout ruiné. Oh non, c'est incroyable. Bah écoutez les amis, il reste plus qu'une seule solution. On va essayer comme ça, hein, clairement. Non, ça n'a pas fonctionné. Eh bah écoutez, on va devoir les détruire comme ça, un par un. Ça va être juste trop relou. Eh bah écoutez, hein, let's go, hein, c'est parti, à l'aventure. En plus de ça, on a une épée super forte. Boum! On a pris un demi-cœur de dégâts. C'est juste rien du tout, quoi. Puis, bah, écoutez, on va essayer de s'envoyer juste ici. Non! Je suis tombé. Oh là là là, la misère que je me prends! Pourquoi j'ai oublié les flèches? C'est tellement plus simple avec des flèches. Bon, lui, il m'énerve aussi. Boum! Allez, au revoir. Et ok, ça y est, c'est bon. On est sur le deuxième. Et là, on est vraiment très haut. Donc là, on va pouvoir faire un peu un ping-pong. Donc, ça veut dire... Non! Non, je me suis fail. Oh, j'ai envie de mourir, les amis, vous pouvez pas savoir comment. Pourquoi j'ai fait ça? Mais je suis, mais c'est pas possible. Ok, c'est bon, c'est parfait, on est sur la plateforme. Eh bah écoutez, on va détruire ça. On va se focus ici. Bon bah écoutez, là, c'est vraiment genre juste horrible. En plus de ça, il veut pas se poser. J'ai aucun moyen de faire de pression ou quoi que ce soit parce que j'ai jeté tout simplement les flèches à l'entrée du portail. Parce que je me suis dit, oh bah non, ça va servir à rien du tout. Eh bah écoutez, il reste plus qu'une chose, une seule chose à faire, je suis désolé, mais bah écoutez, hein. Voilà, hein, il reste ça à faire, les amis. Et puis là, on redémarre de zéro et on va tout simplement retourner, eh ben, dans le Stronghold. Et puis bah écoutez, hein, c'est pas grave, hein, on va refaire tout le chemin. Allez, c'est parti, moi entre-temps, je vais aller chercher du granit. Alors, c'est parfait, il y en a juste ici, on va voir s'il y a des flèches. Et ok, c'est bon, c'est parfait, là maintenant j'ai des flèches, en plus de ça j'avais infini sur mon arc, j'ai juste trop le seum parce qu'il me fallait juste une flèche, mais vraiment une flèche, j'en avais pas une seule. Bah écoutez, c'est bon, c'est parfait, on va remonter au, à la surface et on va aller chercher, rechercher le Stronghold. Ok, c'est bon les amis, c'est parti pour une deuxième tentative, on est très proche du portail, je sais pas où il est, clairement. Il doit être par ici là. Attends. Ah, il est là, c'est bon. Ok, c'est bon, on vient de retrouver le Stronghold. Et bah écoutez, on va descendre. Et allez, c'est parti, cette fois-ci c'est la bonne. Banzai. Ok, donc là on est de retour dans l'End. Et là, cette fois-ci, c'est bon, c'est parfait. On va pouvoir détruire les End Crystals. Regarde-moi ça, ça va faire plaisir, boum. Non, j'ai raté, même là je rate, mais c'est pas possible. Ok, c'est bon, c'est parfait. Une de détruite, c'est génial. Et voilà, c'est parfait. Une deuxième de détruite, ça fait plaisir aussi. On va détruire celle en cage, on va détruire celle de là-bas. Boum. Ah bah non, c'est pas réussi. On va tirer un petit peu plus haut. Ok, c'est bon, c'est détruit. Maintenant, en cage. Ok, le premier est détruit en cage. Il reste le deuxième. Ok, le deuxième, c'est fait. Il reste là-bas aussi. Ok, c'est détruit. Il reste là-bas. Il reste juste ici. Ok, c'est détruit, et là on peut aller en dessous, je crois qu'il reste plus d'end cristal. Et allez, let's go, c'est parti, 1, 2, 3, 3 coups, on lui a enlevé, un quart, on va dire, de vie. Donc ça c'est quand même plutôt cool. Et puis bah écoutez, on va en profiter pour le shot aussi, en même temps, allez, boum. Voilà, c'est tellement agréable, regardez-moi ça, la vie que je lui ai enlevée, avec une flèche. Oh, c'est incroyable. Et bah écoutez, c'est pas mal là pour l'instant, ce que je suis en train de faire avec les flèches. On lui a fait quand même pas mal de dommages, regardez-moi ça, hop là, et là il va potentiellement se poser. Bah même on va le kill avec des flèches, hein, clairement. Non mais c'est incroyable, il reste plus que deux flèches. J'ai plus que deux flèches à lui mettre, je pense, et je le tue. Aïe, il est sur le point d'aller se poser. Eh bah écoutez, on va peut-être le tuer avant qu'il se pose. Oh, j'aimerais bien, ça serait fou. Non. Oh, ça y est, on vient de le tuer, les amis. Oh là là, n'importe quoi. Je l'ai même pas tué à l'arc, je ne l'ai pas tué à l'épée. Vous savez avec quoi je l'ai tué? Je l'ai tué avec mon Thorn Enchant level 20 sur tout mon armure parce qu'il s'est collé contre moi et il a pris des dégâts, c'était juste incroyable. Oh là 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 là. Alors, validation du mode, je dis oui tout simplement parce qu'on a réussi à tuer l'Under Dragon, c'était vraiment juste fou. J'ai été un peu stupide aussi d'avoir oublié mes flèches, mais bon, ça c'est pas grave, ça peut arriver, hein, clairement. Et puis bah écoutez, hop là.
Et ben voilà les amis, c'est tout simplement la fin de la vidéo. Et ben écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Je vous rappelle l'objectif 100 000 abonnés avant le début de l'été. Donc je sais que vous êtes capables en ce moment, vous êtes on fire. Donc allez, let's go, c'est parti, abonnez-vous. Je veux une pluie d'abonnements. N'oubliez pas d'activer la cloche. N'oubliez pas aussi de lâcher votre meilleur pouce bleu et meilleur commentaire. Et merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'était la meilleure façon de soutenir ma chaîne. Et moi sinon, sur ce, je vous dis ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.